Et tout le monde, c'est Thibobo, et on se retrouve pour la suite de Mario 64 The Cursed Castle. Donc voilà, là je suis ici, donc c'est ici où il y avait le niveau 3, hein, tout simplement. Et puis là on va aller au niveau 4. Et j'ai l'impression qu'on va être dans la lave, donc c'est pas mal. Bully's Blazing Bastille, Dilapidated Docks. Ok, je sais pas du tout ce que ça veut dire là par contre. Waouh, on dirait vraiment les laves fatales là, hein, de Mario 64. Mais en plus large. Ouais, ok. Ouais. Donc je sais pas, je sais vraiment pas où faut aller là. Ah, l'enflure. Ok, c'est bon, ça va. Ouais. Let's go. Hop là, dégage. Ah, je vous jure, je sais pas où faut aller, hein. Ok, il y a plein de chemins en fait, donc voilà. Ok. Bon bah lui, on va pas faire long feu. Aïe aïe aïe. Ah, il vient pas jusque là. Ok. Ok, alors attendez. Ok, nice. Ok, lui il fait apparaître l'étoile. L'arène est grande, donc c'était pas très dur, hein, honnêtement. Mais ok, le niveau a l'air très très stylé en tout cas. Big Bully Beatdown, ok. Mais ça on dirait juste un La Fatale 2, en vrai. Ouais. Donc, bon, je dis pas que c'est mauvais. Hein. La Fatale c'est un bon niveau. Mais voilà. Juste. Ah! Oh! C'est quoi cette musique là? Ah ok, on en aura besoin pour récupérer les pièces rouges. Why not? Est-ce qu'il y en a besoin pour autre chose? J'ai pas l'impression, hein. Ouais. Non, vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de la carapace pour autre chose que les pièces rouges. Donc ouais, ça on le fera plus tard. Et puis ouais. Ok. Let's go. J'aime beaucoup la musique aussi là. L'enflure. Ok, c'est bon, ça passe. Tranquille. Alors autant la lave. Ça te met que des dégâts et ça te. Mais ça te tue pas dans ce jeu, hein, je parle. Par contre, le poison, ça te one shot. Tu touches à peine de poison, ça te tue. Par contre, la lave, non. C'est tout à fait normal, hein, évidemment. Ils sont pas sérieux. Ok, je vais peut-être arrêter de niaiser avec eux. Mais ça se trouve, il faut les tuer en fait, c'est pour ça. Vraiment, je sais pas. Par contre, voilà, merci. Tu veux pas t'accrocher? Ok, mais me fais pas nimp. Ok, alors attendez. Hop là. Non. Ça sert à rien de les tuer, évidemment. Ça aurait été trop facile sinon. Ah, celui-là il peut être tellement relou aussi. Ok, ça va. Ouh. Ok, là ce qui était relou c'est surtout les deux voyous là. Oh, hope to the top. Ah mais c'est pas hope genre espérer. Non, c'est hope genre hop. Mais ok, mais dilapidated dogs, ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que ça veut dire. Dilapidated, je sais pas quoi là. Vraiment ça, je sais pas ce que ça veut dire du tout. Mais écoutez. Ok, et il m'a mis une frayeur lui. C'est pas possible. Hein. Mais ça se trouve, il va falloir tuer tous les voyous. Mais qui sont dans le niveau en fait. Il va falloir tuer tous les petits. Et après, ça fera apparaître un gros autre part. Et, ouais, peut-être que ça sera. Ouais.
Ouais, en vrai, peut-être qu'il y aura une étoile vraiment où faut tuer tous les petits voyous du niveau, en fait. Pop up the pillars. Ok, bah, why not? D'accord. Non, en vrai, ouais, ça serait... franchement, je trouve que ça serait stylé. Mais, ouais, moi, j'aimerais bien... J'aimerais bien savoir ce que c'est que cette... Ok, bon, je suis dead. J'aimerais bien savoir ce que c'est que cette première étoile là quand même. Parce que en fait là, je suis en train de faire toutes les étoiles sauf elle. Vraiment, je sais pas. Je sais pas laquelle c'est. Il y a un truc derrière. Ah non. Bon, ok. Bon, faut regarder quand même hein, pour être sûr. Eh par contre, lâche-moi toi. Merci. Ok. Et... d'accord, alors attendez, là il y a un truc. Donc, ouais, je vais aller là. Let's go. Ok, super, lui son attaque elle a échoué. Mais il est sérieux lui? Et je vous jure, en fait il a bugué. No fake hein. Il a bugué. Il a, du coup il a allé super vite. Et il m'a touché je pense qu'en fait il m'a touché. Même lui il pensait pas qu'il allait me toucher. Et malchance, ça m'a fait tomber. Waouh. C'est super. Bon ok, cette fois je vais pas me faire avoir, d'accord. Lui il va se détendre et, ou il va rien faire. Ouais aussi ça, moi ça me va très bien. Ok. Ok, là aussi il y a quand même du parcours. Hein. En vrai, c'est pas mal. Moi, j'aime bien là. J'ai eu chaud. Vraiment, j'ai eu chaud. Ok. Hop là, magnifique. Voilà, ouais, il voulait pas récupérer. Non, mais ok, ça va. Eh, franchement, le niveau est bien stylé. Tippy Top Tower. Eh, la première étoile, je vais jamais la faire. Hein. C'est incroyable. Je vais jamais la faire. Hein. Parce que là, il me reste ça. Et puis après, c'est les pièces rouges. Hein. Non mais il y a un autre chemin encore là sur les gros oh l'enflure. Ah, c'est bon sur les ici là il y a encore d'autres chemins genre ah bah là bas c'est l'étoile qui est là bas sûrement ça sert à quoi. Pff, aucune idée. Écoutez, on va aller vers l'étoile qui est là-bas. Ouais, mais du coup, en fait, il n'y a pas d'étoile pour... Donc, genre, faut vraiment tuer tous les voyous du niveau. En vrai, c'est dommage. C'est vraiment dommage, je trouve. Ça aurait été bien stylé. Et ça aurait ajouté un peu de défi, je pense. Parce que vraiment, en fait, tu serais allé sur un petit peu toutes les zones du niveau. Et puis, bah voilà, pour tuer tous les voyous. Et après, tu reviens au début pour récupérer l'étoile ou je sais pas. Riding for 8 Reds. Yes. Alors là, la question, c'est est-ce que toutes les pièces rouges sont sur la lave? Est-ce qu'elles sont toutes là? Bon, en vrai, je pense que oui. Je l'ai loupé le 1 up. Les champignons, ils sont tout petits. Hein. Dans Mario 64, ouais, ils sont minuscules. Hein. Ok, attendez, je vais aller là. Ok. Pff, hey, il m'a fait peur, je vous jure. Là, il m'a vraiment fait peur. Ok, il y en a une là aussi. C'est quoi, cinquième? Ouais. Ok, sixième, nice. Septième. Et puis la dernière. Ouais, Rishi. Where is the last red coin, please? Ok, bon elle est pas là. Attendez, bah, je vais repartir ici. Parce que c'est là où j'avais commencé ma petite excursion. Elle serait pas dans un endroit hyper éloigné par hasard. Non, ça m'étonnerait.
Mais justement, est-ce que la dernière pièce rouge là, elle est bien sur la lave? Elle serait pas ailleurs? Parce que bon, si elle est ailleurs, c'est un peu relou quoi. C'est-à-dire que là, je suis en train de chercher pour rien. Parce que... ouais, riding. Donc, riding, c'est chevaucher la... La carapace. Ah, elle est là. Oh! Entre deux plateformes, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Eh oui. Ok. Maintenant, les 100 pièces. Eh oui. Ce qu'il faut bien. Ouais. Les 100 pièces, c'est toujours mieux de les récupérer pendant que tu récupères les pièces rouges. Parce que récupérer les pièces rouges, ça te donne déjà 16 pièces, en fait. Déjà. Donc ouais, c'est pas mal. Entre les deux là. J'allais dire, ils vont pas me saouler, mais en fait, un petit peu quand même. Ok, nice. Non, au-dessus, après, là, il n'y a plus rien. Ouais, si je me trompe pas, il n'y a plus rien. Ok, donc. On va juste redescendre comme ça. Hop là. Et sans prendre de dégâts, hein, parce que prendre des dégâts gratuits, c'est... Bah, ça dépend. À certains moments, c'est un peu stupide, quoi. Ok, hop là. Non. Oh là là, ce sauvetage. Oh my doggy. Oh, j'étais persuadé que j'étais dead, hein. Oh là là. Oh, j'ai eu un coup de frayeur là. Oh, je vous jure. Ah, pour moi j'étais dead, hein, je vous le dis. Waouh. Ok. Mais ça va. Oh, j'ai fait un sauvetage. Oh, laissez tomber, il était incroyable. Vraiment, personne peut dire le contraire là. C'était insane. Y a quoi là-bas? Bah déjà il y a des pièces, donc moi ça me va. Ok, il y a lui. Nice. Donc encore plus de pièces. Là ça en fait 5. Ok, nice. Let's go. Oh, 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 oh. Ok, nice. Je vais pas faire le fou, hein, je vous le dis. Aïe. C'est bon, il est dead? Ouais. Enfin, il est dead, il est tombé au moins, quoi. Ok. Ah, mais c'est juste... Ok, ça relie à ici, ouais, d'accord. Les pièces bleues, elles sont où? Elles sont là. Ok. J'ai pas besoin des autres pièces bleues, hein, du coup. Let's go! Hop là! Super! Et puis, du coup, là, l'étoile est là-bas. Nice! Là, je m'en fous. Prendre des dégâts gratuits. Là, c'est pour aller plus vite. Donc, ouais, là, j'en ai rien à faire, là, tout de suite. Mais ok, Riding for 8 Reds. Magnifique! Eh ben, écoutez, franchement, c'est un niveau très fun, je trouve. Là, il était bien vaste. Je vous dis, en fait, on dirait un Lave Fatal 2, hein. Mais en beaucoup plus vaste et plus, plus technique. Parce qu'il y a beaucoup plus de plateformes à faire et tout. Mais ouais, franchement, le niveau était vraiment bien stylé. Là, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, sachant que j'aime beaucoup les niveaux de lave en règle générale. Donc ouais, franchement. Là c'est validé. Et puis écoutez, voilà, donc la prochaine fois, eh ben, on continuera avec le prochain niveau. Et puis voilà, c'est ça qui est ça. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager. Ça me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. C'est très important. Et du coup voilà, donc sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.